Un attentat à la voiture piégée près de l'ambassade américaine à Kaboul a fait 10 morts, dont un militaire américain et un militaire roumain, ainsi qu'une quarantaine de blessés. Le rond-point Shashdarak a été fermé par un cordon de sécurité. Sur les lieux, une dizaine de voitures calcinées, aux vitres brisées, les trottoirs sont jonchés de débris. À l'hôpital, plusieurs blessés se font soigner. C'est le deuxième attentat revendiqué par les talibans à Kaboul en moins d'une semaine, alors que les insurgés négocient depuis des mois avec les États-Unis un accord de principe pour une réduction de la violence contre un retrait des troupes étrangères.